Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission musicale. Aujourd'hui, nous recevons un duo inédit, accordéon-guitare. À la guitare, Jean-Luc Béranger et à l'accordéon, Virginie Trognon. Vous allez découvrir un univers spécifique, alors image. On retrouve nos invités sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au Mans. Bonjour Virginie. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ce magnifique duo s'intitule Sois duo. Pourquoi ce mariage musical entre l'accordéon et une guitare? C'est un déclic? Oui, c'est un déclic. Et puis surtout, je pense que c'est une rencontre sur le merveilleux son de l'accordéon de Virginie, que j'adore. Un son chaud, très chaleureux, très jazz, et la guitare jazz. Parce que le point commun entre vous deux, c'est une formation classique. Jean-Luc, le piano classique, et toi, oui, l'accordéon classique, ça. L'accordéon de concert. Alors, lorsqu'on passe d'une formation classique à une formation jazz, c'est pour découvrir de nouvelles sonorités? Oui, puis ça correspond à une époque aussi. Moi, c'était dans les années 70, donc il y avait la guitare folk qui était très en avant, donc forcément. Et après, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Et là, du coup, la guitare jazz s'imposait carrément. Ah, toi, Virginie, on passait du classique au jazz, il y a un grand écart. Il n'y a pas un si grand écart que ça, en fait. C'était pour sortir un petit peu de la partition. Et parce que le jazz, j'ai écouté ça depuis toujours. Et je me suis lancée un petit peu sur le tard. Mais on voit de plus en plus d'accordéons de jazz maintenant. Et c'est je vrai. Suis très heureuse d'être entrée, d'avoir mis un pied dans ce monde-là. Alors, en quelques mots, les sonorités de votre duo. Alors, les sonorités, c'est déjà un son très velouté.
Et puis surtout, l'idée, c'est d'improviser et de se sentir libre sur chaque morceau. Et une partie où on est vraiment très libre, c'est ça qui nous plaît. Alors maintenant, le deuxième morceau que nous allons écouter, Virginie, s'intitule « Azul Tango ». Superbe mélodie. Franchement, là, très beau pour ce tango. Virginie, tout à l'heure, tu me parlais en me disant que l'accordéon n'a pas de frontières. C'est vrai, la musique n'a pas de frontières pour moi. Et donc, j'aime la musique en général, mais en particulier l'accordéon, que l'on trouve dans tous les pays du monde. On le trouve aussi dans tous les styles, le jazz et l'accordéon de concert, qui a du répertoire de plus en plus riche. Et voilà, je défends un peu toutes ces facettes de l'accordéon.
un langage universel. Exactement. Alors maintenant, c'est notre séquence mini-concert. Cette séquence, c'est deux morceaux que nous allons découvrir dans votre répertoire. Thank you.
On arrive au terme de cette émission, mais avant, je voudrais vous donner une bonne nouvelle. La Sarthe sera représentée lors du Trophée mondial de l'accordéon, et oui, Trophée mondial de l'accordéon, qui aura lieu du 10 au 16 novembre prochain à Victoria, au Canada. Notre jeune Sartois, Lucas Esteves Vieira, va participer dans la catégorie junior variété pour la première fois, et je pense qu'on peut l'encourager dans cette démarche. On l'a déjà reçu à plusieurs reprises dans cette émission. Vous voyez qu'on reçoit des jeunes aussi pour leur permettre d'évoluer et de faire carrière. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les images, les photos de cet enregistrement sur la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur le site du cabaret Le Pâtis au Mans pour découvrir toute leur programmation. Alors, et oui, c'est le dernier morceau que vous allez interpréter. Quel est le titre de ce morceau ? C'est un morceau qui s'est construit, on s'est amusé à le construire, autour d'une grille de Biril Lagrène qui s'appelle « Mouvement ». Et vous allez voir, là, c'est une sonorité totalement différente. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Allez, on y va pour « Mouvement ».
Thank you.